Yo l'équipe, ici Boya pour une toute nouvelle vidéo Villegrenier Live. On arrive, il est 6h55. C'est la première fois que je crois qu'on se lève aussi tard, vu qu'il y en a pas mal qui sont annulés maintenant. Et ben, on va aller directement sur le premier qui commence à 7h quasiment. Donc ça commence à déballer. Et puis on va voir ce qu'il peut s'y trouver parce que là il fait très froid. Je pense que je vais alterner les vidéos maintenant. Ce sera plus que des lives Villegrenier. Je pense que vous l'aurez vu parce que je pense que la semaine dernière c'était une autre vidéo. La semaine prochaine, ça sera encore une autre vidéo. Donc, on va alterner un petit peu. N'hésitez pas à me donner en commentaire si vous avez des petits types de vidéos qui vous donnent envie ou des sujets qui vous donnent envie. Parce que moi, j'en ai quelques-uns qui sont notifiés. Mais bon, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça me plaît à moi. C'est un peu le principal aussi. Mais bon, j'aime bien quand ça vous plaît aussi. Il ne faut pas tirer. Comment on dit? Je sais pas. C'est pas grave. Bon allez, je vous laisse sur les quelques images du vide-grenier live. J'espère que je trouverai un petit peu des trucs. Mais bon, vu qu'il y a moins de vide-grenier, ça risque d'être chaud parce qu'on est tous au même endroit. Allez, let's go! Les personnels, c'est 10 euros pièce. 10 euros pièce? Merci madame. Et les petits comme ça? Les petits, c'est 5 euros le petit paquet. 5 euros le petit paquet. Ça fait 2 euros là. Les combos, c'est 10 euros. Ça fait 8 du L. En jeu vidéo, vous n'allez rien avoir madame? Non, ça y est, c'est parti. Il y a encore pris celui-ci. Ah, c'est. Ouais. Non, c'est pas le genre de jeu auquel je vais jouer, c'est gentil. Merci madame, bon courage. Bonne journée. Merci. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? 1 euro? Merci. Non, comme d'habitude. Ah ouais, il y en a encore, hein. Le 98. Black Butter. Ah, c'est ce que j'avais chopé la dernière fois. Hein. Ouais. C'est quoi les personnes du Thaïlande? Je connais pas du tout, non? Non. Ça. Ah, j'avais chopé la dernière fois celui-là. Ouais. Hein. DVD, ça. Ça, ça va te plaire, ça. À lire, ça doit être pas mal. Il est plus, non? Non, c'est solitaire en plus. On aurait dit, mais non, c'est solitaire. Là, ils sont beaux, ça. Ouais, les gros. Hein. Et la communauté de l'anneau. Ça, tu devrais la vendre à part, ça. Ouais. C'est des DVD? C'est des DVD, des coffrets. Il y en a qui cherchent, ça. Ouais, c'est pas des mangas. Hein. Non, je l'ai écouté au sort. Si, non. Mais... DVD, y a, pas y a trop. Qui cherche, hein. Non. Il est rigolo. Même le. C'était le sac à dos qu'on était. Ah, c'est le sac à dos, ouais. Il tirait bien. Faut que je le mette. Il est trempé par ça. Il y a tellement d'humidité. L'humidité, ouais. Ouais. Ça aide pas. Ouais. Il est beau quand même celui-ci. Ouais. D'habitude, ils sont toujours assez. Oui, là, on est connu. Il est tout petit aussi. Hein. Bébé. Bonjour,
vous la faites combien, s'il vous plaît? Il aime, tu vas combien la manette? 5 euros. 5 euros? Ça allume pas. Non, ils feront une fois que dimanche. Hein. Dimanche, ça pelait la gagne. C'est quoi ça? C'est un enfant de moi? Une white car, il est beau. Ah, 1 euro la carte ou 40 euros l'ensemble? Ah ouais. D'accord. Je baisse pas à la carte. Hein. D'accord. Pas de soucis, madame. Magano, elle est abîmée. Les chaussures, ça n'allait pas? Ouvrez-moi le. Il y a qui a fait un drôle de pas. Ça, c'est pas. Vous voyez, des coup de boule. Celle-ci aussi, non. Et c'est moi. Merci, bonne journée, bonne chance. Les deux seules qui sont peut-être intéressantes, c'est les deux que tu as vues au début. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Lesquelles? On va essayer. Ouais. Ça, c'est les vieilles. Alors, bizarre. Ouais. Quand il y a les niveaux premiers, comme ouais. Ça. Hein. Enfin, pas les premiers, mais c'est un peu plus vieille. Quoi. Ouais. Maganon et Bastoudon, tu vois. Dès qu'il y a les niveaux comme ça, c'est un petit peu plus ancien. C'est ça. Ouais. Je vous remercie. Merci. Krabarak. Bizarre. Lui, de quelle année? Ouais, Magano, oui. Je sais pas. Merci, bonne journée. Avant tout, moi, je suis ma chérie. Tu le fais combien? Je faisais 130 en l'état. 130 en l'état. C'est comme les voitures en l'état. C'est ça. Ouais, vendu en l'état, non. Non remboursable. En fait, dedans, tu n'as pas la cale. C'est ça qui est le plus galère. Oui, bon. C'est quoi, tu en trouves une version maintenant, une version japonaise, c'est pas le même format. Là, c'est la cale qui est chiante. Ouais. Tu n'as pas un Pokémon argent? Non. J'ai j'ai que la boîte et notice seule. Bah, j'ai la même chose que toi. Eh bah, ben, j'ai plus rien. J'ai boîte et notice, bah, pareil que toi. Tu veux pas la transformer en cartouche? Mais non, il me faut une cartouche. Tu l'as fait combien la boîte? Je sais plus moi ce que j'avais noté. C'est la différence entre le jeu et le prix de la boîte. Je sais plus combien c'était. Combien ça a vendu? Combien? Attends, c'est à toi de me dire. En face, il m'a dit pareil. Je lui ai dit combien tu vends la Game Boy. Il me dit combien tu me donnes. Je dis ouais, ça va être compliqué là. Moi, je te donne pas grand chose. Moi, je te donne pas grand chose. Oh, une Twilight Princess en boîte. Neuf. N'importe quoi. Eh, c'est Pokémon. Hein. Eh oui. Je te la fais 100 balles. Je te donne 5 euros. 100 balles. 5 euros. Non. Et tu m'as dit, dis là, c'est un bon prix. Quand tu vois les prix là, tu dis bien que la cartouche, elle vaut pas. Ah non, elle vaut pas 100 balles la cartouche, non. On est d'accord. Thank you.
On voit plus les jeux play-in. Les jeux play-in, on les voit. Ça arrive, on va les voir, on va les voir. Je vois une crash. Crash Team Racing, ouais. Je l'ai moi dans ma colline. Des fois c'est compliqué, les tables sont petites. Non, c'est que je vais essayer de prendre un truc comme ça. Ah, pour mettre derrière. Ouais. Et ouais. Je vais faire un montage, je vais les débrouiller. Est-ce que tu veux que je te les noter? Comment ça? Celui-là, mais tu mets le chaise aussi. Comme ça, tu sais, tu aurais pu le proposer à Jesse. Jesse, il aime bien les consoles, il aime bien les réparer. Ouais, mais rarement, il vient pas. J'ai pas vu ces débuts, j'ai fait la démo, ah après, ouais, non. Je l'aurais acheté si tu l'avais enlevé. Et ouais, non, je sais. Mais là, non, non. Ouais, ça, c'est les cartes que ton fils il a ouvertes. Ouais, ça, c'est mon fils, ouais, ça. Oh, je comprends pas grand chose, moi, ça. Ouais, y a rien. Merci, c'est gentil. Vous l'avez fait où ? Au bagne. Bon, eh ben, je suis malade. Eh oui, chopé le Covid. J'ai plus de batterie. Donc on va faire ce compte rendu assez rapidement. Donc je suis plutôt content parce qu'on a trouvé des beaux trucs. En vide-grenier, pas trop. Au vide-grenier geek, par contre, on s'est fait plaisir. Franchement, ouais, je suis plutôt content. Je vais vous montrer tout ça directement. Un vide-grenier pour 1€, je pouvais pas le laisser. Franchement, il était trop beau. Le petit Mario Tanuki. Il était très 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 propre. Donc je vais le mettre à laver. Et franchement, pour la somme de 1€, ça mange pas de pain. Et je vais le garder, il est vraiment très joli. Également, pour la somme de 1€, j'ai pris 3 jeux Xbox 3.6. En ce moment, c'est vrai que Yo me tanne un petit peu parce que je trouve beaucoup du Xbox. Malheureusement, c'est ce que je vous explique, les gens se débarrassent plus facilement du Xbox que du PlayStation. Mais j'ai pris 3 jeux pour 3€, donc le King Kong, en excellent état. Le Lost, les disparus sur le jeu vidéo, donc de la série. J'ai jamais vu la série, mais bon, je sais que c'était... un truc assez atypique à voir en Xbox, je le voyais jamais. Et j'ai pris pour 1€, parce que c'est pas très cher, le Monopoly Street. Voilà, pour 1€, et les trois sont vraiment en excellent état. On va passer sur la partie vide-grenier geek, donc. Petit peu de chaud là, un petit coup de chaud, c'est pas grave. Donc, il y avait un petit stand qui vendait pas mal de jeux RPG, et à très bon prix. Donc, pour la somme de 20€ pièce, il m'annonce, je lui demande si je lui en prends 4, ce qu'il peut me faire. Il me dit, bah, tu m'en achètes 3, je t'en offre 1, donc ça me fait 60€ les... 4, donc excellent prix. En premier, j'ai pris le Folklore sur PlayStation 3 en version normale, parce que si vous le voyez en boîte ici, c'est une version presse. Donc là, je l'ai récupéré en version normale, je suis plutôt content, il est en excellent état. J'ai également récupéré Atelier Iris, le numéro 1 Eternal Mana sur PlayStation 2. C'était l'une des premières fois que je le voyais, c'est un RPG très peu courant, et là, ça m'a fait 15€ le jeu, franchement 15€. On va pas se plaindre. Et deux petites licences assez connues, bien entendu, des fans RPG. Sur la Play 1, qui est beaucoup moins courant. Et sur la PlayStation 2, j'ai pris le Suikoden numéro 4 et le Suikoden numéro 5. En français également, messieurs, dames. En excellent état, s'il vous plaît, messieurs, dames. Également. Donc franchement, c'est le genre de jeu que je suis très content à trouver. Et à un excellent prix. Et on va finir par la plus belle pièce de ce vide-grenier geek. Je suis encore choqué un petit peu du prix. Donc quand j'arrive sur les RPG là, je vois la personne qui déballe, qui continue à déballer, et il sort en fait le double pack Castlevania sur GBA en boîte. Et je lui dis, ah, tout hasard, celui-ci tu le fais combien? Il le prend dans ses mains, il me dit 10€. Ah, 10€, j'ai dit, ah, obligé. Alors comment j'ai fait pour pas filmer ce passage? J'étais dégoûté, mais j'avais pas à lui dire, bah vas-y, tu sais quoi, viens, on le retourne. Eh, j'ai dit, c'est pas grave, 10 balles, vas-y, donne. Il y avait mon collègue à côté, il attendait qu'une chose, c'est de pouvoir le prendre. Je dis, bon, prends les jeux que tu as voulu prendre toi, moi je prends les jeux que je veux prendre moi, tranquille. Mais bon, 10€ complet, il est pas nickel. Il est complet, mais il est pas nickel. Mais bon, 10€, un Castlevania, franchement, que demande le peuple?
Je suis un peu moins malade d'un coup, tu le ressens la voix quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit vide-grenier live vous aura plu, il y en aura moins. La semaine prochaine, je vais sortir une autre vidéo, je sais pas comment, parce que je suis dans un état difficile. Très difficile même. Je sais même pas comment j'ai fait pour le choper, je mets le masque, je me lave les mains. Le seul truc que je fais qu'il faut pas faire, c'est me frotter les yeux. Et toute la journée, je fais ça. Voilà, toute la journée, c'est mon chic. C'est de faire ça. Des fois, je pense que vous devez le voir quand je fais mes lives. Je fronce toujours un petit peu les yeux. J'ai les yeux assez fragiles. Mon père a les yeux bleus. Il l'a donné à aucun de ses enfants. Mais on a tous la fragilité, je crois. Et moi, le premier des yeux bleus. Mais voilà, je me frotte toute la journée les mains, les yeux aux mains. Donc, les mains aux yeux, pardon. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu galère. Donc, voilà. Pas de live Twitch en ce moment. Je pense que vous avez pu un peu le comprendre pourquoi. Et puis on reprendra ça doucement, doucement. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos entre-temps sur la chaîne secondaire, les lundis et les vendredis. Et sur la chaîne principale, les dimanches soirs, comme d'habitude. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce petit live de grenier vous aura plu. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, commenter et partager, si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Boya, jouez bien, collectionnez bien. Ciao l'équipe. À bientôt pour une prochaine vidéo. Thank you.